Nope. J'ai oublié de respirer tellement que je veux le sub 18. Ouais, sub 18. Commence rough ce trou là. Pam pam pam. Pas aller aussi loin. Que j'étais chanceux. Je m'en faisais toucher une autre fois. C'était le reset. Je vais crever au boss à cause de ça. Ce boss-là crevait, ce boss-là, c'est vraiment pas l'idéal. Je perds toujours du temps à ce boss-là. Comment? Je fais tout exprès pour les deux. J'ai ça quand il s'étire le cou à l'autre bout de la planète. Ah! Good, au moins un good start là, please la good. Good, good, good. Il était squick, me semble. Ah, arrêtez ça. Good. Good. Ah. Hop. Oh non. Qu'est-ce que j'ai été faire? Ça va peut-être marcher pareil, mais je me suis en allé un petit peu trop loin. Ah, ça va pas marcher, évidemment. Ruiner l'affaire, man. J'attends un autre cycle en plus la plateforme. Waouh! En plus, j'ai eu autre d'ingent. Oh, man! C'est painful, ça. À la troisième maison, en plus. Mais le boss, il est mieux de bien aller. Hein. Pas mieux que tantôt, il a rebondi n'importe comment. Ouais. C'est peut-être la run pareille, le moyen de sauver du temps ailleurs. Il me semble que le niveau de Junkyard, j'avais pas été terrible. Ah, c'est pas une run aussi hype que la run de tantôt était malade. C'était gold par-dessus gold. Mais bon. C'est le principal de faire sub 18 après.
J'ai d'autres jeux à pratiquer aussi pour le spécial Friday the 13th que je veux faire. Puis aussi, ce mois-ci, ça serait le fun de changer. De pouvoir avoir le temps de d'apprendre d'autres jeux. Puis de speedrunner d'autres jeux pour le mois d'octobre, le mois de l'Halloween. Peut-être bien faire la run spéciale Friday the 13th, pareil pour l'Halloween. C'est sûr qu'il va en avoir une le 13 décembre. Faut que j'aie le temps quand même de pratiquer plusieurs jeux. Oups, je veux même en incorporer des nouveaux. Et que j'ai failli le rater. Malgré la double rock, j'ai passé! So vicieux! Ah! Oh non! Astif le boss! Est-ce qu'il est dur à toucher, là? La hitbox est tough! Come on! Il serait mort, là! Man, j'ai perdu du temps au lieu d'en gagner, man. C'est un stage que je pourrais gagner du temps. Incroyable. C'est tellement hard la run. Et ils ont tombé lentement. Oh non, pour ça, fallait que je fasse. Ah, au moins, c'est pas si pire que ça. Ah! Oh, j'ai eu cette place-là, man. On est obligé de niaiser, man. Merde. On a deux mistakes. C'est on va essayer de pas en faire. Comme ça, faut ralentir. Désagréable. Ralentir en speedrun, c'est désagréable! J'avais été chiant avec la roche. Je sais qu'en sauter, pareil. Ah, comment là, ça, c'est vraiment raté quelque chose. Deux fois de suite, même, il serait rendu à 1 d'énergie. Ah, c'est le boss le plus facile! Encore, tourne-toi! Des poutres de schnout. C'est un couteau à la fois, pis tu peux pas impouter, man. Tu peux pas faire tes ou jumper, man. Pendant qu'il y a un couteau qui est lancé. Vice versa, tu sais. Ah bah ouais. C'est désagréable. On va me faire toucher ici. Classique. Bon, on va espérer sauver du temps quelque part, là. Tu sais, à date, je sais pas pourquoi, mais je fais que perdre du temps. Tantôt, j'étais rendu à une vingtaine de secondes de sauver ici. C'est ce stage-là que c'était death after death pour X raisons. Non, non, non. Je saute des escaliers jusque là. Puis... Whatever. Sur ma crevée, évidemment. Oh, c'est un miracle de ne pas s'être fait toucher là.
quand même attendre. Hein? C'est au dernier niveau. La crème. Des fois, ça passe pas. Hein? Je vais aller chercher le café. Ah, c'est vrai, il fallait que je ressaute. Hey, vas-y! Au moins, ici, c'était. J'ai pas trop niaisé. Je suis quand même mort à la bonne place, finalement. Que okay. Ça a pas eu trop de répercussions. Ah. Au moins, je me suis touché juste une fois, c'est pas si pire. Hey, yo, ta vie en mauve. Merci pour les good luck. C'est pas jusqu'à maintenant ma run, mais peut-être que oui. Peut-être que oui, à long terme. Parce que tantôt, j'avais une meilleure run que ça, mais elle peut virer quand même en sub 18. Là. Pas désespéré. Faut juste espérer. Je rate ça. Hein? Ah, ça c'est bad. C'est pas. Ça c'est vraiment pas la place où ce qu'il faut niaiser. J'aime pas ça quand ça bloque à ce place-là. Non, c'est la main qui va crever ou quoi? Wow! Chris! Vraiment pourri, Adam. Le stage est quand même correct. C'est peut-être le temps nécessaire justement que j'ai besoin. Je l'espère ou pas. On va voir ce dernier niveau. Oh! Ah, crotte de lapin. Tu sais, j'ai réussi ça. Wow. Oh non, j'ai vraiment. Bon, maybe. Parce que j'ai réussi deux beaux jumps. Il va falloir que je réussisse les skips de la fin, par contre. Ah, comment? Niaise-moi pas, plateforme. Oh yeah! Oh, yes! Oh bébé! Oh! Sexy!
Oh, nice! Oups, trop grand jump. Wow! C'est rare que j'arrive aussi tard, mais faut croire! Je l'avais! Oh non! C'est cette petite chauve-souris! Man! Non! Stop! Les plateformes en mouvement, il n'y a rien de plus pire que ça. The moving platform is so bad. Ah, évidemment. Impossible jump. Hé! J'ai réussi à ne pas me faire toucher. Wow. Oh, il y a des bonnes sections là. Des bonnes phases dans ce stage là. Profiter du iframe pour passer. Oh, ça peut être possible, sûrement. 41. 16-41. Faut pas que je rate les skips. Ah, ça c'est une perte de temps, là. Allez, let's go! 5-on-5! Mission complete. Yes, boy. Ouh, so close. Ah, finally! That's the worst Friday fight! The worst 3D fight ever, man. 5-on-5, les skips. Nice. Ouh, ça sauve l'avant, hein. Ah, 5 skips on 5. Yes. 5 sur 5, les skips. C'est grâce à ça que j'ai réussi le sub 18, sinon on aurait pu oublier ça. J'en ratais juste un. Ouh. Ça reste stressant, tu fais une run platformer, puis après, faut aller chercher des pixels parfaits. 5 pixels parfaits en passant à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, exact. Ouh, c'est freak, hein? Wow, on a réussi l'objectif, gang! Chapeau un peu de Batwater pour fêter ça. Et merci pour la pluie de GG, gang! Wow, je suis dans toutes mes émotions. Un objectif que je cherchais à faire depuis, disons, quelques jours, même une semaine, presque. Wow, une bonne semaine, disons, qu'on a passé sur le jeu à peu près 7 jours, disons. Gorgé bien mérité, on peut même pas prendre de pause durant la run. Merci Zachstar pour les GG, Roberto Tox, hey, merci gang, Conmaster, merci aussi pour les GG, congratulations. Gore666, Mr. Disco Dan qui arrive juste à temps, bang, boom, bing. On l'a eu enfin finalement, sub 18. J'en demandais pas tant que ça. Parce que j'ai perdu du temps tout le long de la run, puis je l'avais dit au long de la run, j'ai dit « Ah, je vais continuer parce que je sais qu'il y a du temps à sauver. » Évidemment, il y a du temps à sauver partout. Puis si j'aurais eu une belle run constante partout, égale, j'aurais été dans les 17-30 probablement. 17-40, 17-30. Ouais,
Parce que tantôt, je sauvais 20 secondes à Junkyard rendu là où le cimetière. Et je remercie aussi Vector, man. Merci à toi pour les GG, Lutin, Doom Retro, Sergent Inc aussi, Codemaster, Jashu, Dranok, okay, merci encore pour le follow. Ce soir, Betelgeuse, Fizz Tactique et Danny, man. Bonsoir à toi aussi. Surf Boy, ta vie en mauve, Frogest. Je sais pas si j'en oublie, peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a toujours du temps sauvé, surtout dans une run que j'en perdais du temps. Sauf que le dernier stage était quand même solide. Là. J'ai réussi les deux jumps les plus difficiles du jeu. Là. Vraiment, les deux sauts en particulier. Un pour y aller chercher le bond, puis un pour revenir dans la même section. C'est dans le même segment. Il faut le faire assez rapidement. Puis ça demande une bonne pression, une pression particulière sur le bouton. Faut pas juste faire un BB jump. C'est un petit peu plus qu'un BB jump. Puis si t'appuies un peu trop fort, tu te pètes la tête au plafond, puis ça marche pas, tu pourras jamais traverser si tu touches la tête au plafond. Fait que le truc, c'est de pas toucher la tête au plafond, mais de pas faire un BB jump. C'est entre le plus petit saut possible dans le jeu, puis un saut comme un petit peu plus haut que le plus petit saut possible, mais sans se toucher la tête au plafond. Je l'ai réussi, les deux aller-retour. J'ai pas gaffé là-dessus, c'est ce qui a permis de sauver du temps. C'est peut-être justement grâce à ce saut-là, étant donné que quand je meurs à cette place-là, je perds du temps, qui a permis le sub 18. Si je serais mort à cette place-là, même si j'ai eu les 5 skips, d'après moi, j'aurais pas réussi le sub 18. Fait que c'est grâce au dernier stage, même l'avant-dernier Freddy House qui était quand même bon. Les deux derniers niveaux, sérieux, sont vraiment difficiles, puis c'est sûr que j'ai mieux exécuté. Normalement, je me débrouille mieux dans les autres stages. Là. Je sauve plus de temps, ou j'ai tendance à sauver plus de temps dans les autres stages. Ouais, je vais viser sûrement un sub 17 même. Surfboy, pas tout de suite, là. On a passé quand même une semaine sur le jeu. Ça va aller à la prochaine fois que je vais vouloir me relancer sur un PB sur le jeu. Sur Nightmare on Elm Street. Ouais, le prochain, ça va pratiquer, ça va être Friday the 13th. Après, pratiquer un peu de jazz et ainsi de suite, là, refaire la liste des jeux pour mon spécial Friday the 13th. Puis je vais refaire ce spécial-là le 13 décembre 2019, dans le fond. Le vendredi 13 décembre. Je vais même rajouter probablement minimum deux jeux, là, si j'ai le temps. Gargoyle quoi, j'ai pas besoin vraiment de la repratiquer. Puis on va voir. Non, j'aurai pas le temps de me remettre à Zelda Surf Boy à cause que je vais recommencer mon Venus Challenge le mois prochain, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, allez, merci. Thanks pour les GG tout le monde. Nice. Objectif done for now. Mon objectif est vraiment réussi pour maintenant. Good. Nice.